Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers, Ghost of New Eden. Où, eh bien, on résolvait des cas d'assassinat, des cas de hantise, oui. Nous avons résolu l'affaire de Jane, l'indienne, qui voulait venger son peuple, car nous lui avions fourni à son peuple des petites couvertures. Vous la connaissez, cette petite tactique de la couverture. Et maintenant, on cherche un monsieur qui a tué quelqu'un à coup de couteau, après lui avoir balancé une pierre en pleine gueule. Voilà. Ah, c'est un village où il se passe des choses, hein. Donc, il faut que je trouve Sutter. Bannisseur. Je pique tes affaires. Qu'est-ce elle est contente ou pas que j'ai tué sa sœur? Je ne m'attendais pas à vous revoir. Je cherche à retourner à New Eden. Dans ce cas, débrouillez-vous seul. D'accord. Mais elle vend des choses. J'aimerais qu'on parle affaire, si vous voulez bien. Il nous reste peut-être quelques surplus, si ça peut vous servir. Et c'est vrai qu'elle m'aime pas trop, hein, j'ai tué sa sœur. Ok. À la prochaine fois, Kate. C'est vrai, c'est vrai. Mais faut que je ressuscite ma femme, vous comprenez. Donc je dois tuer des humains pour ça. Il est où ce con? Peut pas le pister avec ses sens de fantôme. Apparemment, non. Vous voilà de retour, monsieur McRae. Que puis-je pour vous cette fois? Bon, à plus tard, Daniel. Au revoir, monsieur McRae. Ouais, c'est ça, c'était bien le vieux qui était là. Qui est mort. C'est con. Alors... Il est parti où l'autre? Ça va être chiant. Ah mais sinon on continue l'histoire principale, hein. Moi ça me dérange pas. C'est juste que comme on a commencé le cas, ce serait bien de le finir. Ah ça c'est le forgeron. Il m'aime pas très fort non plus. Personne ne m'aime en fait. Bannisseur. Arthur. Comment allez-vous? C'est la merde, comme d'habitude. Voilà comment je vais. D'ailleurs, vous m'en devez une. Vous allez peut-être pouvoir vous acquitter d'une partie de votre dette. Il nous faut des clous en pagaille, et je ne sais toujours pas comment en fabriquer. Vous allez pouvoir m'en rapporter. Je crois que Nelly avait parlé d'un forgeron à Fort Jericho. Vous trouverez peut-être un marchand qui vend ses produits. Oh là là là. Vous avez des choses intéressantes à vendre? À vous de juger. On a un peu d'argent, on a un peu d'argent. T'as plus d'armure, t'as plus rien. Et plus intéressant, mec. Ah! Vous avez des choses intéressantes à vendre? À vous de juger. La manette qui bug, vous le savez. Je vais vous laisser. Besoin de clous. Oula. La musique qui s'est arrêtée net.
La musique qui s'était arrêtée, ça faisait très bizarre. Bon, moi je sens que ça va être Jericho. Hein. J'en ai déjà marre de le chercher. Le trésor doit être caché dans le coin. Quel trésor ? Ah oui, de l'accrétion de fléau comme ça posé par terre. Examiner la maison. Enquêter sur le jeune Söder. Parler à Beloved Söder. Ben oui. Mais il faut le trouver ce con. Et comme tout le monde me déteste, personne ne veut m'aider. Vas-y, ça va être Jericho parce que là. Il n'y a personne dans les maisons. Pourquoi ils mettent pas les noms sur les portes? Ça serait plus facile. Non, là c'est là où il y avait Jen. Bah oui, elle est là. Oups, excusez-moi. Je me suis trompé. Ça, c'est la maison de je sais plus qui. Là où il y avait un fantôme aussi, on l'a fait celui-là. Au final, j'aurais éradiqué le village. Ouais, j'en ai marre de le chercher, on se casse. Voilà. Il avait qu'à être à la maison. Voilà. Hop. En plus, c'est vrai, j'en ai vraiment marre de le chercher. Ouais, tu mets ça en surbrillance, s'il te plaît. Bon, Jericho est en dessous. D'accord. Alors, hop. On me dit que j'ai un truc dans mon inventaire. Ah oui, parce que je peux améliorer des choses. Bah oui. Pas. Nouvel équipement, ah oui. Là j'ai eu ça, le fil d'Ariane. Ça m'enlève de la vie, beaucoup de force, donc non. Hop là, c'est parti. Mon père me racontait des histoires. Au cœur des montagnes vivait une race mystique qui ne souhaitait que la paix. Je l'entends encore. C'est pas les nains, alors. Mystique, disait-il, chérissait la vie et utilisait l'or uniquement pour leur mausolée. Toutes les créatures étaient acceptées parmi eux, sauf les hommes, qui étaient difficiles à approcher, car ils étaient belliqueux et cupides. Laisse-moi deviner, ils y sont allés quand même. Oui, leur bellicisme l'a emporté. Et du fait de leur cupidité, ils ont cherché à s'emparer de l'or. Leurs mausolées furent profanées. Les mystiques maudirent les humains et partirent se réfugier ailleurs. Il me rappelle Cyrillian. Paix à son âme. Pas du tout.
peut descendre là. C'est noir comme dans un four. Pas si tu regardes à travers mes yeux. Donc, on doit trouver la source de la fumée. Ici. Bouge, Red. Je l'ai pas chargé à fond. Crève, enfoiré. Moi aussi, je veux m'amuser. Je l'ai senti aussi. Ah, déjà. Ce que c'est. Oui. Il y a quelque chose ici. Aha! Ok. Donc c'était absolument pas le chemin. Tu vois ce corps ? Je pourrais utiliser un rituel. Y a que ça ! C'est chiant, on veut pas faire tous ces fights à la con. Donc c'est toujours la même chose quoi. Et c'est pour avoir des fights comme le chien qui dure 20 minutes parce que les mecs ils ont 500 000 points de vie, ça ne m'intéresse pas grandement. Hello. Bravo. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'elle m'a fait là, Cam? Ah bon. Bravo. Je suis prête quand tu veux. Il y a un spectre qui va se trouver un corps. J'attends ton signal. Bon bah voilà. Alors... dessiné sur la carte. Il
Alors... Ah oui, mais ça doit être le... Ce machin-là. Qui vous, entre guillemets. Allez. Hop. Alors... Qu'est-ce qu'il y a ? Rien ? Ok. Alors moi, il pleuvra plus. Solide. C'est prévu pour une équipe. Un homme seul, ça devrait passer. Enfin, normalement. Qu'est-ce que t'insinues que je suis gros ? C'est vrai que je me suis un peu laissé aller ces derniers mois, mais... Je suis sur le point de reprendre le sport. Voyons, regarde, tous les fantômes que j'ai tués. La meilleure façon de mourir. Parce que... il y en a une ? Je pense pas, non. On dit toujours que c'est mieux de mourir... tranquillement dans son lit, mais bon. Pendant son sommeil, mais... On est mort, quoi. C'est le truc. Souvent, quand on est mort, on est mort. Donc ça pose des petits problèmes. Sachez-le. Allez. Ok. Ah. Bouge pas. Un enchevêtrement de cordes l'en empêche. J'ai pas vu. À casser alors. Donc en fait j'étais parti pour faire le truc, mais comme je l'ai pas fait, je dois tout recommencer, c'est ça ? On aime ça. C'est bien fait, hein. Quand t'es en fantôme, elle fait pas de bruit. Alors... Yeah.
C'était pas ça non plus. Attends, il est où? Oula, j'ai pas eu tout ça. D'accord, le faire péter ça. Alors non, on peut casser ça déjà. On y est presque. Ok. Là on peut descendre là, mais là il y a des ressources. Merde, c'est là où j'étais. Oh, elle est où ça? Oh, elle est là. Ok. J'ai trouvé quelque chose. L'ascenseur est débloqué maintenant. Très bien. Et là... Allez hop, et on peut y aller. Pas facile, facile. La vie de héros de jeux vidéo. Ah, il est déjà descendu, d'accord. Ces poutres ont l'air fragiles. Elles vont tenir. Tu préférerais grimper? Si ça tenait qu'à moi, je serais pas là pour commencer. C'est pas faux. Moi non plus. Merci. Gentil le petit cadeau. Petit stuff. Rivière sauvage. Fait quoi hein? Ça me baisse ma persistance, ok? On a 50% les dégâts des attaques au point. Ouais. Ouais. Pas top. Oh, de la neige! De la neige. On est en altitude ou ça s'est refroidi? C'est l'œuvre du cauchemar. Elle se sert probablement du climat de New Eden pour mieux isoler ses habitants. Tu penses que quand la malédiction sera levée, la neige disparaîtra? Je pense, oui. Ok. Mont Pleasant. Pleasant. Oui, bonjour. Ils se nourrissent de leur propre rage. Sur les doigts d'une seule main.
Ok, en avant. T'as entendu ça? Oui. C'était proche. Alors... Ah d'accord. C'est ça qui veut que... Okay. Dégage ça. Change de cible. Celui-là est protégé par le voile. Juste aller découvrir ça, qu'on a déjà découvert. Du cuivre. Oh merde. Il est où ? Aïe, mais tu as la même gueule que l'autre. Tu le sais ça? Je peux t'aider. Ok. Je déteste ces trucs. Ce n'était ni le premier, ni le dernier. Oui, je sais. Allez, découvre-moi ça. C'est le bon moment de prononcer quelques mots de pouvoir, juste pour être sûr. 36 mètres par là. Mais c'était le même boss que l'autre. Quelque chose par ici. C'est caché. Alors... Dans la maison peut-être, sûrement. De la magnétite.
Eh oui, c'est dans la baraque. Des fragments d'eau s'éterrés. Ah, il y a des nouveaux... De nouveaux loot pour de nouveaux crafts. Alors. On va mettre ici une cordette. On pourra toujours nous servir pour revenir. Le level design est quand même bien pensé. Hein. Pour ceux qui veulent faire du backtracking, il y a quand même pas mal de trucs. On aime le point zéro de nos joysticks, évidemment. Ok. Ok, on peut repartir. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il est là, donc on n'a pas besoin d'actionner celui à l'intérieur. Comme compagnon d'aventure, il y a pire, tu sais. Ça a l'air de te surprendre. Ne fais pas trop de fier, il te reste beaucoup à apprendre. Les particularités d'un fléau. Fléau est une entité composée de nombreux spectres. Pas toujours. Un moissonneur, par exemple, est un fléau né d'un spectre unique. Un fléau cherchera toujours un nouveau corps physique, souvent composé de différents matériaux. Pas terrible. Tu veux une question plus facile ? Sur la nature d'un fantôme, peut-être. Ils ont des liens. Les fantômes ont des liens, des objets par lesquels ils sont liés à un être vivant. Tu es l'inverse de Charles. Nul dans la théorie, mais bon dans la pratique. J'espère que ça suffira. Prout ! Voilà. Ça doit être des machins, les machins pour ouvrir les coffres maudits tous les coups. Allez, on y va. Ici. Parti. Tu as vu ça? Oui, suivons-le. Tu crois faire le poids face à un fantôme? Attention, une possession spectrale. Bravo. C'est terminé. Là-haut, Red. On va déjà aller allumer le feu ici pour avoir moins froid. Cet endroit fera l'affaire. Au moins on pourra s'y TP. Ok.
Par contre, j'ai juste... Je voudrais aller à Fort Jericho avant de faire ce cas de hantise. Non, c'est un fantôme. Une heure ou de plus. Une heure à être fantôme de plus ou de moins avant d'être blâmé, envie de dire. Changera pas sa vie. Hein. T'as pas été là. New Eden Town. Ah si, c'est là d'où on vient. Un pigeon. Alors, il y a quoi là ? Des ressources. C'était drôle de faire ça. Des ressources. Ça, c'est un retour, ça. Très bien. Ah, il y a un truc jaune là-bas. C'était un lieu paisible, à une autre époque. C'était... Avant le cauchemar, tu veux dire. Allons jusqu'au fort, te trouver de quoi te réchauffer. Des tombes. Benjamin et Ethel Blythe. Singiz, Ethel et Benjamin Blythe. C'est une bien belle sépulture, il devait avoir les moyens. Après c'est une pierre tombale quoi. Oula. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Ok, un truc infini. Tu vois ces membres? C'est le bon endroit pour révéler ceux qui pourraient s'attarder dans le coin. Ouais. Regarde, hop. C'est le bon endroit aussi pour ne pas y aller. Moi je trouve ça un peu trop facile de toujours mettre 12 000 combats pour faire du contenu. Mais c'est un truc que tous les jeux font donc... C'est mon idée. Des fois on pourrait se dire faites un truc un peu plus court ou un petit peu plus vide entre guillemets sans devoir mettre des trucs pour remplir quoi. Tous les 300 mètres. Regardez là, il y a plein de moments où il n'y a pas de combat et tu fais juste que courir dans la neige. Quelque chose de spectral dans le coin. Moi ça me dérange pas. Je préfère ça que ce qu'ils ont fait à mettre du contenu, entre guillemets, tous les 300 mètres quoi. Ah là t'as 12 fantômes à tuer, oui bon bah c'est bien, on a compris. Je sais pas, moi j'aime pas trop cette nouvelle méthode. Il y a plein de méthodes que j'aime pas en ce moment dans le jeu vidéo qui m'ennuient. Ah, ça tire. Ennui droit devant.
Et à mon avis, ce sera pas des Indiens. Alors, encore au-dessus. Force-les à apparaître avec les bons mots de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire là, on a vu 4 fois la même chose. C'est 4 fois la même chose quoi. T'en mettais qu'un quoi, à ce niveau-là. Tu veux en mettre 2, tu veux mettre l'infini avec, bah tu le mets, mais t'as pas besoin de mettre un infini et 3 normaux quoi. Cette zone elle fait ramer le jeu, je sais pas pourquoi. Hein. On a eu aucun problème de framerate. Et dans cette zone on en a un petit peu. Ah ouais, les mecs avaient carrément leur leur domaine quoi. Ok. Les Bly. Bonjour. C'est pas par là qu'on rentre. Des spectres attaquent le fort. Ne reculez pas! Cessez le feu! Celui-là n'est pas mort! Shepard, j'ai dit de tirer! Oui, bah vous pourriez m'aider quand même. Goûte-moi ça! Attention, j'en vois un autre. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est des... Ah, le salaud! Il va falloir taper plus fort que ça. Allez! Halte! Personne n'entre, personne ne sort, mort ou vivant. Je m'appelle Red Macrace. Je suis bannisseur, comme vous pouvez le voir. Ouvrez, j'ai un problème à régler à l'intérieur. Votre problème, si je peux me permettre d'énoncer une évidence, c'est pas mon problème. J'ai mes ordres, et je ne peux pas vous laisser entrer. Je comprends, l'ami. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Andrew White. J'ai beaucoup de sympathie pour les Écossais. Mais comme vous le voyez, je suis de service. Quand je suis de service, je suis pas votre ami. Écoutez, les gens ont assez de problèmes ici et je vais pas désobéir aux ordres. Price ou Pennington me pendraient pour ça et je n'y tiens pas.
Je peux parler à Pris? Qui est Pris? Est-ce que je peux lui parler? Non, pas maintenant. Hélène Pris n'est pas là. Elle est partie en excursion vers les avant-postes en quête de provisions. Vous voulez nous aider? Madame Pris et son groupe devraient déjà être rentrés. Vous ne pouvez pas manquer l'avant-poste. Il surplombe la vallée. Si vous pouviez la retrouver, et faire en sorte qu'elle revienne vivante, ça vous ouvrirait bien des portes. Au sens propre, comme au figuré. Si j'ai bien compris, il faut que je la retrouve, et que j'élimine les ennemis alentour pour qu'elle puisse sortir de sa cachette. C'est jouable. Le fort est attaqué par des spectres. Nettoyons leurs repères pour régler ça. Et ensuite, on ira chercher ceux qui manquent à l'appel. Comment se porte le fort? Comment se porte le fort? Comment il se porte? Pas très bien. Nos forces diminuent, et nous n'allons pas tarder à manquer de poudre. Pris est parti avec Williams et un autre type pour aller chercher des provisions. Ils ne sont pas encore rentrés. La région est dangereuse. Les chasseurs ont vite fait de devenir des proies. Ok. Bon. Je reviendrai sûrement. Trouvez nos amis, bannisseurs. Ou abrégez leurs souffrances. J'essaierai. Dès que je me serai occupé du nid de spectre, je partirai à la recherche de l'avant-poste. Ok. À leur porte. Ça ne m'étonne pas qu'ils ne veuillent pas ouvrir. Ils n'ont pas le choix. Ils seraient dépassés par une nouvelle attaque. Le nid ne doit pas être loin. Ah, ça doit être là. Une piste à suivre dans la neige. En voilà d'autres. Le petit déjeuner est servi, les garçons. Merde. Je peux participer aussi? Ah ouais. Toujours plus de spectres. Le fort sera bientôt à court de poudre. Ces parasites ne viennent pas de nulle part. Alors. Ils ne retiendront jamais la leçon. Allez, dégage. C'est là. Nous y sommes. Remplis le trou. Enterre-les tous. Alors. C'est pas un truc à casser avec ça, mais c'est pas grave. Ah, je croyais que c'était un coffre, mais non. Ah, on pourrait le ramener par là? Certainement. Ah ah! Quel talent! Je l'avais même pas vu. Alors. Terrez-les tous. Pokémon? Pardon. Thank you.
Alors. Je viens les enterrer, mais on fait comment? Pas prendre une pelle et remplir le trou quand même. Prendrait des mois, des années, des millénaires. Alors, qu'un bon bâton de dynamite. Ah bah là. Ça devrait leur laisser un peu plus de temps. Espérons qu'il ne soit pas trop tard pour la fameuse Madame Pris. Oh là. Alors. Trouver un moyen de monter ou prendre l'ascenseur. On va déjà essayer l'ascenseur. Même s'il doit être bloqué. Évidemment. On dirait que tu vas devoir marcher. On dirait bien. C'était évident. Hein. Alors, c'est pas par là. C'est par là. Bonjour, y a quelqu'un? Je suis Red McRae. Chaque jour un peu moins, j'imagine. Mais bon, c'est mieux qu'il soit dedans que dehors. Ça dépend. Hein. Pour être dans un endroit où il n'y a pas de fantômes, hein, ce serait mieux. Ça, c'est celui du fort. Bonjour. Salaud. Voilà les renforts. Hey, tu veux pas que je t'aide? Eh merde, il est... sont envahis de spectres. L'équipe partie à la recherche de provisions est vraiment passée par là? Ça expliquerait pourquoi ils ne sont pas revenus. Ça va pas beaucoup sécher. colère, persistance, ok. Il y a un mot. Accès interdit. Ah. Trouver un moyen de monter. Il y a quelque chose de caché. Ça doit être par là. Pour redescendre, il y aura l'ascenseur, c'est ça? Certainement. Alors... Hop. Bonjour. Bonjour. Alors, un moyen de monter. Ah bah.
Il y a une paroi. Je l'avais pas vu. Ça peut aider, hein. D'ouvrir ses yeux, ça peut aider. Allez. Y a quoi par là? Qu'est-ce qu'on a par ici? T'as senti ça? C'est tout proche. Ah ah! Ça se rejoint ça, les deux. Ils ont appelé à l'aide. Ben McCray s'arrive. Et du loot. J'arrive. J'ai vu que vos habits n'avaient pas séché. Est-ce que ça vous intéresse de le savoir? Il y a quoi dans cette mine? Des ressources. Un coffre. Et un retour. Donc on va aller dedans. Enfin, en tout cas, on peut aller dedans plus haut. Celui-ci n'est pas mort depuis longtemps. Espérons qu'il reste comme ça. Ouais, s'il revient, on lui mettra 2 balles et voilà. Moi, les morts, je les retue. Comme demandé, cette livraison inclut 3 nouvelles lignes de mesure, une courroie, 2 barils, 10 pioches, facture acquittée à l'avance. On dirait qu'ils ont été pris par surprise. Au moins, on pourra descendre par là. Est bloqué de l'autre côté. J'ai pas vu. J'ai pas vu parce que je pouvais pas le voir. Oh, pointe une corde ici. Ok. Cache de la cascade, d'accord. Une nouvelle carte au trésor. Faudrait les faire aussi, ça. Hein. Faire le poids face à un fantôme? Ne reste pas là! Bouge!
Dépêchez-vous! Elle ne s'en sortira pas! Venez! Vite! T'es effrayé par un feu follet à Akershus. Tu vas me le rappeler encore combien de fois? Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!